conseils municipaux qui se tiennent une fois par mois sont finalement le lieu, comme son nom l'indique, de la délibération, donc où le maire et ses adjoints et ses conseillers municipaux présentent de manière effective et de manière publique, puisque c'est une obligation légale, eh bien, l'état d'avancement d'un certain nombre de projets. Effectivement, nous sommes dans ces années de mandat, dans l'application ou la mise en musique, si je puis dire, du programme municipal. Le maire a coutume de dire que une fois que nous sommes élus, le programme municipal devient un contrat avec les Rennais et il nous engage. Eh bien, voilà, donc le conseil municipal sert à faire en sorte que nous puissions respecter nos engagements vis-à-vis de la population. Donc l'opposition est présente, vous l'avez vu, et dans son rôle aussi d'opposition, ou en tout cas d'information, de contestation, de points de vue qui peuvent parfois converger ou parfois diverger, mais en tout état de cause, on a un bel exercice de démocratie locale chaque mois dans cette enceinte de l'Hôtel de Ville. En sachant que l'on estime à plus de 5 millions le nombre de... Estelle Jouffe, élue municipale au nom du groupe Union Rennes Capitale. C'est un groupe de 8 élus d'opposition à la ville de Rennes, 8 élus qui regroupent à la fois des élus UMP, Nouveau Centre dont je fais partie, Gauche Moderne. Bon, le conseil se passe plutôt bien, je crois qu'on est quand même tous respectés, c'est à peu près tous dans... Il y a une manière correcte de procéder. Maintenant, il faut effectivement prendre la parole et puis ne pas hésiter à aller de l'avant, parce que sinon on est facilement mis de côté, surtout l'opposition. Parce qu'on n'a effectivement aucun pouvoir à part s'abstenir ou voter contre ou intervenir sur un sujet, mais on n'a pas effectivement de gros pouvoir. Qui n'offrait que dans les taux pratiqués et proposés. On est dans un pacte de gouvernement, de majorité, avec un certain nombre de composantes. Nous appartenons à la gauche, plus particulièrement au Parti Socialiste, mais vous savez que la gauche est plurielle, contrairement à nos adversaires de droite qui ont eu coutume depuis quelques années à avoir une idée, un projet, un homme, un chef. Bon, nous, on est aussi pluriel dans notre approche et dans nos convictions. Cette pluralité compose effectivement une véritable socle de gouvernance, enfin de travail au sein de cette équipe municipale. Donc nous avons des écologistes avec le groupe Rennes Métropole Écologie. Nous avons des radicaux avec le groupe PRG qui émane évidemment d'une tradition politique très forte en France et dans nos différentes républiques. Nous avons évidemment les communistes qui sont des partenaires, on va dire classique, traditionnel, je ne vais pas refaire l'histoire de la gauche en France et à Rennes, mais évidemment que les grandes victoires, nous les partageons depuis 1977 pour ce qui est de la ville de Rennes et 81 pour ce qui est du pays avec le Parti communiste français. Nous avons aussi en rouge et vert, qui est une spécificité un peu locale, mais qui est un groupe aussi qui apporte sa vision, comme son nom l'indique, assez ancrée à gauche, mais emprunt d'écologie, évidemment. Je ne vais pas... Le premier, c'est le programme de requalification du centre ancien, d'un montant total de 80 millions d'euros, dont 15 millions de la ville de Rennes, une grande partie étant supportée par le privé et les propriétaires. Et pour cette partie qui nous intéresse... Vous savez, on est tous élus avec des principes, des visions différentes, parfois même opposées, mais je crois qu'il nous appartient aussi individuellement et collectivement de faire en sorte que ça se passe bien, parce que c'est aussi l'image de la démocratie, c'est aussi l'image que le conseil municipal donne à voir auprès de la population, et je pense que la population... surtout dans des périodes comme celle-ci difficiles, eh bien, attend de ces élus, eh bien, effectivement, une certaine tenue dans les débats. Et je crois pouvoir dire qu'à Rennes, nous avons cette bonne animation, cette bonne gestion, et puis surtout cette écoute entre nous, même si on n'est pas d'accord, mais en tout cas, on s'est écouté. Ça, c'est le principal.